Alors monsieur, il vient du travail, excusez-moi monsieur le Boulanger, salut. La taxe en France, vous en pensez quoi? Foutez-moi la paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro, j'espère que vous allez bien, nous sommes en France. Et je suis allé dans la rue pour demander aux gens ce qu'ils pensent de la taxe ici dans ces pays. Ils en pensent quoi? D'ici là, portez-vous bien. Peace. Alors bonjour frérot. Ouais bonjour. 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 La taxe en ouais. France, vous en pensez quoi? La taxe en France? Ouais. Ah la L'évolution taxe en France. Le... Bah elle évolue hein. Dans le, bon, dans le mauvais sens hein. Dans le mauvais sens comment? Bah ça augmente, ça augmente, ça augmente. Hein. Bah trop élevé mais bon, on n'a pas le choix. La taxe? Ouais. Ça dépend. Pour nous les acheteurs, franchement c'est un calvaire la taxe. Ah ouais? Parce que t'es pris sur tout. Tu veux dire, tu payes un truc 20 euros, en fait, le truc, dans la vérité, il vaut même pas 10 euros. Oula. Donc, ça veut dire, il y a la part de l'État, il y a la part du magasin, il y a la vérité, tout ça. Donc, mon gars, c'est la taxe, c'est la merde en France. Donc, si vous avez un petit message au gouvernement français par rapport à ça. Mon gars, arrête de prendre sur nous. Va prendre sur tes gars, là, qui ont des Mercedes et des Rolls et tout ça. Mais c'est qui ces gars? T'as même, tu connais, hey, mon frère, moi, les papiers. T'as peur? On va prendre mes papiers au calme et tout ça. Non, tranquille, garde ta taxe et puis on se reverra. J'espère que le message est passé, hein. Ils ont compris. Vas-y, ok. En tout cas, je remercie aussi. Ouais, t'inquiète. Ah vas-y. Non, trop fort. Oh, y a pas grand chose à faire. Je pense que j'attends dans 2 ans et demi les prochaines élections présidentielles. Ah ouais, pour changer de candidat, quoi. Oui, j'aimerais bien. Le président actuel, vous l'avez voté ou pas? Bah, j'ai voté contre l'autre, en fait. Voilà. Pas pour, mais contre l'autre, voilà. Bah, ça fait comme jamais, hein. Bah, merci, c'est gentil. Ouais. Et vous allez où, là? Vous êtes bien habillé? Bah, je sors de travail. Ah, vous sortez du travail? Ouais. Classique. Ah, merci. C'est comme ça chaque jour ou... Ah ouais, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours? Ouais. Tu vois comment on travaille? Bah, je suis responsable dans un restaurant. Ah ouais, d'accord. Alors dis-moi, la taxe en France, vu que vous êtes responsable dans un restaurant, vous en pensez quoi? Franchement, je suis pas à vous dire trop dans ce sujet, hein, parce que je connais pas trop dans les taxes tout ça. D'accord. Même chez vous, à la maison, taxes et tout, tout ce que vous payez. Vous pensez qu'il y a de l'évolution ou c'est plus chiant? Bah, franchement, moi je m'en sors très bien parce que je gagne assez pour me sortir. D'accord. Ça veut dire les taxes, ça me dérange pas. Alors dis-moi, nous sommes en France. Vous en pensez quoi de la taxe? De la taxe laquelle? Général. Ouais, j'avoue, c'est roulant un peu. Ouais, trop de taxes, tellement il y a trop de trucs qui disent vont diminuer, mais hein, qui baissent. Toujours pareil. Et donc, on est obligé de trimer, tu vois, pour. Dieu, t'as fait comme des fous, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Il faut qu'il y ait un équilibre et que pour l'instant, il n'y en a pas. S'il faut dire ça de manière simplement. Et comment faire pour résoudre ces problèmes en fait? Que tout marche bien. Enlever le mec qu'on a au gouvernement. Le mec qu'on a au gouvernement, comment il s'appelle? Je sais pas. Comment ça tu sais pas? Et chaque fois que tu parles de ces mecs, tu sais bien que c'est. Je m'en souviens plus, j'ai pas envie de l'avoir dans ma tête en ce moment là. Tu l'as voté ou pas? On sait quoi? Je l'ai voté. Je l'ai voté moi. Ouais, non. Bah, c'est une question, je suis démon, je sais pas. Bien sûr que non. Ah ouais. D'accord. Je l'ai pas voté parce et que depuis le début on sait comment il est et il se fait passer pour et un. Mais comment? Il est. C'est le visage approprié pour la France blanche qui veut se faire croire qu'elle a un avenir. Alors que c'est plutôt le contraire, alors que c'est l'héritier de tout ce qui s'est passé ces derniers siècles. Donc pour l'instant, bilan zéro. Bilan moins 100. Moins 4000, il est parti loin. Et pour en revenir à la taxe, je pense que en fait le système n'est pas établi pour nous faciliter les choses. Si on fait partie de la classe moyenne, les taxes sont énormes. J'ai une copine qui a payé 5000 euros d'impôts pour ses premiers impôts quand elle a commencé à travailler. Je trouve ça énorme. Mais c'est un débat compliqué. Faut voir ça avec les économistes et je fais pas de l'économie. C'est pas très adapté à nos besoins à nous en fait. Et de l'autre côté, en fait, au-delà de la taxe, il y a la question de la fraude fiscale et c'est la question qui n'est pas traitée, en fait. Donc on s'attaque beaucoup à la taxe, mais finalement, s'ils allaient chercher de l'argent ailleurs, je pense que... D'accord. Un dernier message au gouvernement actuel par rapport aux taxes. Un dernier message? J'ai pas envie de leur parler, moi. Je sais pas, je suis pas du genre à aller faire des discussions avec eux. Donc... Ils peuvent trouver une solution et tout.
Est-ce qu'ils peuvent trouver une solution? Ça m'étonnerait. Je pense que je parlerais à un mur et que je parlerais dans le vide, mais allez nous parler à nous et demander ce qu'on veut vraiment. Et ce qu'on veut vraiment, je pense que c'est des taxes mieux réparties et une qualité de vie meilleure, des transports meilleurs, un salaire minimum plus élevé, des qualités de travail plus élevées, des meilleurs droits de travail pour les personnes qui sont en bas de l'échelle, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui gagnent le SMIC. Donc tous les avantages que nous, on n'a pas quand on n'est pas dans des grandes entreprises, et ben, ce serait bien qu'on les ait. Voilà. D'accord. En tout cas, je vous remercie. Avec plaisir. Bonne journée.